Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Port-Louis et on est là une semaine pour le festival Habite Temps Fort. C'est un festival qui va se dérouler sur deux jours, c'est jeudi et vendredi. Et sauf que là nous on est présents en avance pour faire des spectacles et des initiations avec les enfants. On est hébergé dans cette petite résidence des artistes qui est plutôt pas mal en vrai, c'est vraiment stylé. On a repéré des spots avec les gars hier et on va aller voir ça. Et en vrai, malgré la taille de la ville, il y a deux trois trucs à faire. Ce qui est fou, c'est que c'est la ville de Port-Louis qui nous a contactés et on est payé pour faire ça. C'est vraiment un petit rêve qui se réalise, enfin qui commence à se réaliser. Parce que là on fait du parcours, on donne des initiations, on fait des spectacles, etc. On fait vraiment ce qui nous plaît et ça peut nous permettre de continuer les voyages, ça paye le matos vidéo, etc. Ouais, petite détente. Ouais, ça fait 4, c'est 15 et demi. Il y a élan et tout, donc bon, on va se chauffer là-dessus. Hein. Putain, beau gosse! Oh là 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 là! Ah, check ça! Ah, t'es chaud! Oh oui! What? Oh, putain! Je m'attendais tellement pas! Oh la misère, mon gars! Wouhou! Let's go! Oh, ce genre de style, mon pote! Oh là là! J'ai trop là. Ali, mon gars! Ali, t'as vu ou quoi? Ouais, j'ai pas vu. T'as pas vu, Ali? Ouais, j'ai stabilisé. Ah ouais? Ouais. Tu vas pas y tomber. Non. Bon là pour tout vous dire, je crois qu'on a fait 70% des spots. Là, j'avoue, Port-Louis c'est une petite ville, mais en même temps ça va être intéressant. Genre y a pas des gros spots, des bons spots et tout, mais on va essayer quand même d'utiliser la ville et de trouver des trucs à faire. Salut les bébés, ça va les bébés, tranquille. On est pas des bébés. Youtube ou quoi? Let's go. Ah bah ils sont chauds hein, ça va être pas mal. Bon, on va commencer la démo, les enfants ils vont bien kiffer en vrai. Tu vas partir sur quoi avec cette ambiance là? Shit up back là, ça fait longtemps. Ouais, y'a tellement de gamins, ils se ramènent encore là. Ouah ah, ah. Allez, je vais m'asseoir dans le public. On va regarder le spectacle ensemble, c'est parti. C'est chaud. Fort. Trop fort. Là, Chuka il va sauter par-dessus la foule. Surtout là, Chuka il va sauter par-dessus monsieur le maire. Saute par-dessus le maire là, encore. Ah ouais. Merci monsieur. Incroyable. Yes. Bravo, bravo, bravo. Bonsoir, on va se faire stage. Non. Bon, y'a le restaurant qui est ouvert, mais 50% de chance qu'on se fasse stage, mais en vrai, tranquille. Je pense qu'ils sont bons délires. On va voir comment il est le public ici. Hein. De toute façon, c'est tout l'objectif du festival. C'est nous, on fait nos trucs et on voit comment réagissent les gens et on essaie de leur expliquer. Donc, c'est le défi. Et un sacré front. Hein. Ah, j'avoue. Ou en dubside. Oh là là, toujours il surenchérit ce mec. Faut qu'on fasse gaffe, on n'est pas les seuls sur ce roof. Il y a des petits œufs. C'est stylé. Les petits frérots ils installent leur nid ici. Pas les déranger hein. Non. On est avec des abos là et ils veulent faire le front de fond. Petite démo là, ça sent bon en vrai. Ça va? Ça va. En vrai, faut bien chiller, tu vois. À
Allez. Let's go. Shuka il a trouvé une line. Pff, ah là 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 là, elle fait monter le BPM. C'est une line Art of Motion un peu là. Ça part ou quoi? Ah ça part là. Allez, let's go. Je vais lui servir son plan iPhone sur un plateau. Tenez monsieur. Merci. J'ai poussé plus de cardio. Ouais, j'ai poussé d'une force sur la main là. J'ai plus de cardio. Je me suis laissé. Oh ce mec il me fascine. Putain il m'a tiré toute mon énergie. Je peux plus bouger là. Il rend fou en vrai, il sait tout faire. En fait c'est un chat mais qui fait des tricks. À chaque fois il réatterrit sur ses pieds, c'est fou. Oh, ça n'a aucun sens. Ce toit c'est une merveille. Du coup là on a prévu de faire un gros tas. Ici. Il doit avoir 7 mètres. Et d'avoir 7 mètres et on va essayer de faire une petite dinguerie. On part en prep. Ouais, tu veux faire un petit saut? Ouais. Oh là là. Allez Matt. Tu vas l'éclater gros. Ça part. Ouais. Les gars, c'est nous, c'est un running gainer. 3. Allez Mathieu. 2, allez, 1, go. Allez Matt. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Ah t'es un malade. T'es un baiser. Ah c'était. T'es un ange. Ouais, eh, c'était délicieux en vrai à voir. Ah Mathieu, tu me régales. Oh il est bien mou. Si tu veux faire un test en droit tu peux hein. Ah. Donc ça c'est un deux plaques. Allez go les gars. Let's go. Allez les gars. Ça va? C'est tout. Oh. What? Ouais non c'est pas non plus si haut que ça. Oh il a vraiment chillé par contre. Ouais mais par contre il est hyper solide les gars. Non. Parce que là il a atterri tellement comme ça. Toi tu vas atterrir comme ça, ton genou il pète hein. Ah mais net. Moi mec je suis terminé hein. En vrai moi mon genou je fais ça, il pète hein. Net. Mec c'est les croisés direct. Il est pas satisfait, il va refaire. C'est incroyable. Je le fais ou pas? Je le fais ou pas? Attends gamin. Oh y'a 1% mec, y'a 1%. Vas-y gars, go. Vas-y go, y'a 1%. De la graisse, ça fait plaisir. Le spot du resto là, c'est un bon spot en vrai. Mais n'allez pas dessus parce que la mairie va dire faites gaffe, donc n'allez pas trop dessus. Mais il est pas mal. Ouais. Bon, après une bonne grosse journée de training à Port-Louis, on a décidé d'aller à Lorient parce qu'il y a un petit spot, c'est un bateau abandonné sur lequel on peut probablement cliffer. Donc c'est des petites hauteurs, mais ça fait toujours plaisir après une grosse journée. De la merde. Ça fait quand même un peu peur parce que le bateau il est rouillé de partout et tout. Donc je pense que c'est pas très solide. Ouais. C'est abusé. Ça c'est un héliport. C'est tellement stylé. Oh, c'est stylé. Regarde, on est dans un bateau de film d'horreur. Je sais pas si tu vois le bail. Film d'horreur. Quand même. Il est vraiment ravagé le bateau. Il faut faire gaffe à mon avis parce que il y a de la rouille partout. À mon avis, c'est pas très 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 stable. On regarde le jet de tout en haut. Ouais. Oui. Là, on est en train d'explorer un peu le bateau pour voir d'où est-ce qu'on pourrait sauter. Il y a pas mal de petits spots potentiels. Et là, on va aller voir tout en haut. Parce que si on peut cliffer tout en haut, bah, c'est vraiment incroyable. En vrai, ça a l'air quand même hardcore parce que il y a un sacré gap. Ah ouais. De là-haut là. Il y a tout ça à gaper. Là. Et il y a encore un étage. À mon avis, c'est chaud. Bon, du coup, là, je suis tout en haut pour voir si le saut est faisable. En vrai, je sais pas trop. Niveau hauteur, ça a l'air de le faire. Mais niveau gap, j'avoue que je suis un peu mitigé. C'est chaud. Je pense,
que c'est un peu chaud en vrai. Je l'ai repéré en 2016 ce saut. Et je le fais en 2022, les gars. Comme quoi, faut vraiment attendre d'être prêt hein, pour faire les sauts. C'est important. Mec, j'ai l'impression que je vais sauter avec toi. Ouais, tu peux venir. Hein. Non, t'inquiète. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Let's go! Wow, c'est un malade! Je sais pas, il a un, c'est un 17-18 mètres. Avec le CN7 là, oh, c'était incroyable. Wow. Bah ça y est, je suis tout trempé, mais t'as envie des aventures de ouf quoi. Là on est juste là pour un festival. Et je me suis souvenu de ce bateau. Je me suis dit putain, on va aller aborder ça avec les gars. Et j'ai tapé le sol tout en haut. Putain, les aventures elles sont folles les gars. Il t'a pas hésité. Bah t'es non, monté, mais... t'as sauté direct. Oh, il y a la chouquette qui se chauffe. Il fait froid. Hein. Non, en vrai, elle est trop bonne mec. Moi j'ai trop kiffé. Oh oui. Mec. Mais elle est trop bonne hein. Elle est trop bonne par contre. Moi je replonge. Oui, t'es mal. Jérém, vas-y, 3, 2, 1, cours, allez. Allez. Non. 3, 2, 1. Sandin. Sandin. Wow, wow. Attends, tu me passeras ça. Oh, vas-y, vas-y. J'ai envie. Pierre, tu tombes. Hein. Et carrément me pencher dessus. C'est fou. C'est chill. C'est quoi, vous avez commandé un coca chéri, monsieur? Ouais. Bon, là, c'est une fin de vidéo. On a kiffé d'un petit bateau abandonné là. C'est incroyable. Là, Mathieu, il a sauté tout là-haut. Franchement, c'est déconné. Et bah, j'espère que vous avez kiffé autant que nous. Et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao !